On a hâte de s'approprier vraiment cette enceinte, de sentir une ferveur derrière nous, qu'on sente chez nous. Le loup est enfin à la maison. C'est face à une prestigieuse équipe de Toulon que les Lyonnais feront leur premier pas dans leur Matmut Stadium. Une deuxième journée de challenge européen sans trop de pression qui va permettre aux joueurs d'ajuster leurs repères dans cette nouvelle enceinte de 8000 places. On le découvre, après c'est aussi se servir de ce match et bah, pour prendre nos repères. Hein. Mais c'est vrai que de ce côté-là, on partira à égalité avec Toulon, quoi. La vie romaine était chez nous, mais c'était stade de la ville. Là, on est chez nous, avec un produit qu'on a construit. Donc, on a vraiment 100% d'engagement. Et c'est la traduction de 15 mois de travail. Après 3 semaines de repos forcé et une défaite à Newcastle, le match face à Toulon est l'occasion rêvée de retrouver le rythme. Avant une semaine qui ne comptera pas moins de 3 matchs de championnat à Bayonne, puis face à Montpellier et Perpignan. Car si les Lyonnais ne veulent pas gâcher la fête demain, la priorité reste clairement le championnat et le maintien en top 14. On n'a pas envie d'être ridicule, loin de là. Et on veut gagner, forcément. Mais ça reste que le challenge et je mentirais si je vous disais que c'était l'objectif prioritaire. Quoi. Non. L'objectif, c'est vraiment cette semaine à 3 matchs où il faut à tout prix gagner le plus de matchs possible sur cette semaine-là. Le renfort du demi de mêlée sud-africain Toewies de Bruyne, joker médical de Brice Salobert, ne sera donc pas de trop pour aborder un programme bien chargé. Mais avant cela, place à la fête. Coup d'envoi de Loup Toulon demain à 20h45.